En fait, je parle français, je parle anglais, je parle italien, je parle espagnol. C'est quel choix que tu veux? Français pour faire anglais, pour CBC Radio-Canada, on va faire les deux. Allemagne aussi? Non. Préférez-vous commencer en français ou en anglais? Comme vous préférez, c'est pas le problème. Parce que des fois, je demande des gens préfèrent faire dans une langue pour penser, non, penser l'autre. Non, tu sais, je suis bilingue, je chante de l'anglais au français. I might throw in some Italian, we're good. I'll throw in some Spanish. C'est bon? Première question la plus facile, juste me dire votre nom, votre poste avec la manifestation et de l'épeler. Mon nom est Antoinette Mercurio, A-N-T-O-I-N-E-T-T-E. M-E-R-C-U-R-I-O, et je suis vice-présidente maintenant de le groupe Unity. Alors dites-nous, quel est le but de la manifestation ici aujourd'hui? On essaie vraiment, bien, on voudrait que l'hôpital fasse la bonne chose et démissionne le monsieur qui a fait ça à M. Gervais. Et pourquoi est-ce important pour vous que l'hôpital congédie cet employé-là? Parce qu'une fois qu'une personne rentre dans un hôpital, c'est pas parce qu'il veut être rappelé quelle langue qu'il doit parler. On vient ici parce qu'on est malade et on a besoin de soins. Alors, n'importe quel langage que le monsieur y parle, ils doivent respecter ce fait-là. Moi, l'hôpital de C3S de Gatineau dit avoir pris des mesures disciplinaires envers cet employé-là. Pour vous, est-ce que c'est suffisant? Absolument pas. Ils ne nous disent pas encore qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils nous disent qu'ils sont occupés, mais ils ne nous disent pas s'ils l'ont congédié. Et jusqu'à la date qu'ils nous disent, on aimerait qu'ils envoient une lettre à la famille disant qu'il a été congédié. Mais jusqu'à date, ils n'ont rien dit. Et si l'hôpital ne congédie pas cet employé-là, quel est l'avenir pour vous? On va continuer à faire ça. N'importe quand qu'on a le temps, on va être toujours vocal pour dire que c'est pas quelque chose qu'on tolère ici. Dites-moi. Aujourd'hui, vous êtes une trentaine. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir une influence suffisante pour faire changer les choses? Tu sais, c'est pas nécessairement quand tu as 100 personnes que tu fais changer les choses. Hein? Ça peut être 10 personnes qui continuent à être vocales. Alors, c'est ça que oui, on pense qu'on va être capable de faire ça. Je vais vous faire réagir. On a parlé un peu plus tôt avec le président d'Impératif français, qui est un groupe ici francophone dans la région. Lui, il trouve que la manifestation, là, je le cite et je veux votre réponse. Lui, il dit que c'est de la provocation, on fait de la propagande anti-francophone en utilisant comme exemple un cas isolé. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Un cas isolé? Oh, attends une minute, là. On avait le cas isolé de IGA à Montréal, que l'employé a été dit qu'elle ne pouvait pas parler français. On a aussi le cas isolé de le monsieur dans le métro, qui n'a pas voulu revendre le billet à une personne anglaise. Il y a aussi l'autre cas isolé qu'un chauffeur d'autobus a actuellement sauté sur une madame pour lui dire qu'elle ne pouvait pas. Alors, quel cas isolé exactement est en train de parler, monsieur? Et pour vous, donc, vous dites que c'est plus systématique. De façon plus générale, outre le cas ici, qu'est-ce que vous souhaitez voir changer? Parce qu'on parle beaucoup relations francophones-anglophones. Je vous donne l'exemple à Cornwall, là, il y a des anglophones qui ne voulaient pas que l'hôpital soit bilingue. Pour vous, quelle est la solution à tout ça, à ces conflits peut-être linguistiques-là? Vous l'avez déjà exactement dit. Moi, je veux dire un message à monsieur Impératif français. OK, le groupe Unity, premièrement, est... On veut bilingue. On ne dit pas qu'on ne veut pas le français, on ne veut pas l'anglais. On veut les deux langues. Impératif français dit que ça doit être seulement le français. Pourquoi pas adopter les deux langues? Ça ne serait pas plus facile que « I have a choice of what language I want to speak ». Comme vous voyez, je chante en français, je parle en anglais. C'est quoi le problème? So we'll do English now? Okay, sorry, I apologize. No problem, no. I do CBC Radio Canada, so do both. So tell us, why are you here today? We're here because we want this guy fired that did this. What he did was wrong. A family comes into a hospital to get service, to get compassion, to get care because they're ill. He didn't have to bring this linguistic racist comment into the thing to speak. Why? He asked for help. Give him the help. It doesn't matter whether he spoke in Chinese or French or English. And you were saying the name of your group is Unity. So when we talk about linguistic duality, there was a whole issue in Cornwall where Anglophones were protesting the fact that the hospital was actually bilingual. Here you have a case where an orderly did not want to serve a patient in his mother tongue. What's the solution to the broader context, the broader issue?
the broader con- it should be bilingual. It's like, seriously, if you know how to speak English, speak it. If you know how to speak French, speak French. I have respect for both languages. Why should it just be one? Be understanding, compassion, especially in a hospital. Perfect. My last question for CBC will be, if the hospital does not fire the employee, what's the next step for you? We will continue. We will not stop. It doesn't necessarily mean you need 3,000 people to get things done. Once you have 10 people that are determined to get things done, this employee should be fired. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.